Yo les escargots, c'est Rino et on se retrouve sur un tout nouveau jeu que j'ai décidé de faire qui s'appelle Fridays 13 Killer Puzzle. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Allez, c'est parti. Allez, alors souvenir à cristal de Crystal Lake. Ok, bon bah c'est parti. Alors vous voyez, il y a pas mal de chapitres. Hein. Il y a pas mal de trucs, donc on va commencer par le premier. Souvenir de Crystal Lake, c'est parti. Alors, on a Jason classique, hein, parce qu'on n'a pas pu débloquer tout ça. Après, vous voyez, il y a pas mal de personnages à débloquer. Ouais, ils sont pas mal. Hein. Bon, on va prendre le tout premier et on y va. Souvenir de Crystal Lake, épisode 1. 13 juillet 1984, au camp de Crystal Lake. Il y a 20 ans, un garçon s'est noyé à Crystal Lake car les animateurs du camp ne le surveillaient pas. Les jours suivants, ils ont commencé à mourir l'un après l'autre. Massacre à Crystal Lake, 9 animateurs tués le vendredi 13. Ils ont été assassinés par la mère du garçon. Fou tué par le dernier survivant. Donc apparemment les animateurs ont fini par le décapiter pour l'arrêter. Son fils Jason erre dans les bois. Ok. Ah, il est là. Ouais, derrière toi là. Derrière toi. Ah, voilà. Apparemment, Jason, mon canaillou, tu dois me venger, balayer l'écran pour te déplacer et attaquer. Alors. Oui, parfait. Maintenant, on va voir la dernière survivante. D'accord, maman, on y va. Et hop. Il l'a coupé en morceaux. Glisse de carnage, niveau numéro 2. Ah, alors c'est un peu compliqué. Ben, pas compliqué, il faut trouver le bon sens. En fait, pour pouvoir aller les attaquer, en fait. Voilà. Oh! Oh! Allez, un en moins encore. Mon dernier survivant, on y va. Et on va l'attaquer. Au niveau de la peur. Voilà, parfait. On remplit une jauge de sauve de sang. Punis-les pour ce qu'ils ont fait, Jason, pour ce qu'ils m'ont fait, tu pour ta maman. Bon, ben on va y aller. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de radio ou quoi que ce soit? On va voir. Non. Non. Non, nous on veut ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il n'y a pas une histoire de... de radio ou un truc comme ça. Alors. Voilà. Et le dernier survivant. On y va. Bon, on l'a manqué. Bon, tant pis. On l'a manqué pour là. Bon, alors, menace de minuit. Alors. Pourquoi il te fuit? Tu es un garçon si spécial. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ah.
Alors. Voilà. Voilà, parfait. Et le dernier survivant. On va se le faire. Hop. Voilà. C'est parfait. Terreur nocturne. Alors c'est là qu'il faut, si tu as besoin d'aide, Jason, je peux te fournir un indice avec un simple toucher. Alors, tac, tac, faut bien réfléchir en fait comment on va faire. Ok, j'ai trouvé, on va aller par là. Par là. Hop. Hop. Allez là-bas. Là-bas. Voilà, on arrive par derrière. Hop. C'est parfait. Allez hop. Hop là. Il s'en est chargé. Et le dernier survivant, on s'en occupe. Voilà. Et on remplit notre jauge de soif de sang. Voilà. Panique à bord, niveau 6. Regarde-les courir à la vue du sang, tu les Jason, fais-le pour le moment. Alors. Il faut bien réfléchir en fait de comment on va faire. Voilà. Là. On va se le faire là. Voilà. On arrive là, on fait ça. Et le dernier survivant, on y va. On va se le faire. Voilà. Et hop, boum. Ah, allez, hop, on passe au niveau 2. Sauve de sang, niveau 2. Voilà. Donc, on ouvre. On a le droit à une caisse. Ok. On a une massue. Ah, une hache de combat. Ah, excellent. Excellent. Bon ben voilà les amis, on va s'arrêter là pour l'instant pour ce niveau. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous en voulez plus d'épisodes là-dessus, les amis. Allez, à de prochaines vidéos. Rhino Bacon, out.